Bon, on va s'y remettre. On a laissé le bazar en pause. Donc on en était à Sed. Hop. Sed hein, qui est une combien une commando combien importante bien sûr. Hop. Il a peut-être pas aimé la... Ah. Bon après c'est peut-être normal, on va pas s'arrêter là bien sûr. Smith, car on peut voir qu'il c'est un paquet assez essentiel, il contient notamment Killhole pour la gestion des processus. Getex, qu'on a fait une ribambelle de fois.
Oui, c'est du copier bête et méchant, mais c'est la création du système qui est comme ça. Oui, c'est répétitif, mais c'est ça qu'on aime. Hop, bison, c'est bon. Grêle.
Et après, il reste souvent que des petits paquets, donc ça va être assez rapide. Comme j'ai dit, le point le plus important, ça va être le noyau. Parce que là, on est en train de configurer tous les petits programmes qu'il y a autour. On a la chaîne de compilation qui est ok. Mais le noyau, ouais, ça risque d'être une sacrée un sacré morceau, le bazar. On va tester, il y a les tests de bash qui sont en train de tourner là du coup, c'est un programme assez important aussi le shell. Donc c'est pas trop à négliger. On va peut-être relancer le bazar avec la bonne commande parce qu'il y a une faute.
en knocker, ça prend pas mal de temps. Moi j'ai l'impression que même avoir spécifié le nombre de jobs sur cette opération là ne change pas bien grand chose pour le coup. Pas bien grave, on va attendre. Bordel qui tombe. Thank you.
Hop. Là, du coup, on tourne directement avec le bash qu'on a compilé à l'instant. Monsieur Skypro. On va essayer les techniques d'iso dessus parce que là, ça va prendre sa life. Ah, ça va un peu mieux quand même. Voilà, la diff fait pas trop mal.
69 expected et 5 real fail, du coup c'est normal, hein, du coup, conformément à la doc. Oui, parce que j'ai fait. Oh, je suis trop con. Pas grave. Inutile 5 qui fournit des commandos combien essentiels comme ping, yf config, sname, trace route bien sûr.
Si vous voulez chatter, vous avez même la commande Talker que j'ai jamais utilisée. Moi non plus, ouais, je sais pas du tout comment ça marche. Pour le coup. SBU, les tests de perles, ils piquent un peu là aussi. Oui, ça va. Je me plains vraiment pour rien.
Mais surtout là, je crois que ça va être encore. Même si je mets le tir et j'y vais, en fait, c'est. C'est encore le. Faut que je rechope la commande de tout à l'heure là. Aïe. Qu'est-ce que je fais? On en était où là? À perle. Ouais, c'était là. Essayez avec ça, voir si ça passe mieux. Donc ouais, comme tu dis, ça doit être normal pour celui-là. En terminal, ce que j'utilise c'est ST du coup, ST, le terminal de qui va avec des WM en fait, qui est créé par suckless.org. C'est exactement.
Exactement, ouais, c'est avec avec Clicom.
Bah yes, comme ça tu pourras me dire si déjà il s'installe. Parce que des WM sur une LFS, en vrai, ça prend pas mal de sens au final. T'as un truc léger. Moi, ce qui me fait le plus peur, c'est pour le multi-écran avec Xinerama. Je sais pas si c'est correctement pris en charge. Normalement, ça devrait être ok, mais bon. Ouais, ça en fera rager 2-3 et si tu fais un NeoFetch après. Tu poses ça sur vos bureaux et dans le subreddit r/ UnixPorn bien sûr. Bah c'est beau hein, si on y arrive. L'élite de l'élite, j'ai envie de dire. Ça en fera rager 2-3, ça sera marrant. Bon, je vais boire un petit coup parce que là la chaleur ça commence à tabasser un coup là.
Hop. Ça va toujours pas fini ce bordel là. Ouais, mais après, c'est 11 SVU en monocœur, donc ça rigole pas des masses là.
Les bonnes dépendances, bien sûr. Bien ouais-je. Bon, je crois qu'on va le skip ce test, hein. Ça prend vraiment trop longtemps. Ça me saoule. Sur mon PC de prod, je les ferai, mais là, on est en VM. Oh! T'as pas eu d'erreur, c'est ça surtout qui est beau. Ça me rassure alors. C'est vrai.
Ah, c'était quoi ton erreur? C99, qu'est-ce que c'est cette affaire? Yes. Tu me diras si ça marche, je suis curieux.
Oui, après, c'est pas les c'est pas l'objectif d'avoir les vues de Samuel Etienne. Moi, je fais juste ça parce que de toute façon, je comptais le faire et je me suis dit, ouais, ça peut être intéressant de le faire en live, histoire que vous voyez un peu comment ça se passe, même si vous prenez le live en cours de route, ça me donne un aperçu quand même. Mais merci pour tes encouragements. Heureux, monsieur Skyfall. Et bah nickel alors, ça me rassure. C'est cool. Je vais sortir ton paquet de prédilection de ces OpenSSL. Comment ça, mon ref? Oui, mais après, je veux pas créer un drama ou quoi, mais ce que tu dis, Virgile, c'est absolument réel. Hein. C'est ça le truc grave. C'est que. Il y a certaines personnes sur le Discord qui font partie des gens. Enfin, moi je pense pas comme ça, je l'ai déjà expliqué dans ma vidéo dédiée, mais. Où LFS, c'est pas juste un truc d'apprentissage, même si effectivement ça le fait très bien. Moi, mon but, c'est essayer de prouver qu'on peut totalement l'installer en dur sur son système et l'utiliser en système de tous les jours. C'est juste qu'il y a des gens qui pensent différemment ou un vrai DE comme macOS du coup. Ah non, ça marche pas, salobo ici. J'ai pas une voix assez aiguë. Zébordi pour un max de trans. Oui. Mais t'avais pas vu ça, Lobo? Ça fait longtemps que je l'ai. Ça doit faire 3 semaines qu'il y a ce truc en haut de mon écran. On fait un barouf avec sa trottinette, lui. Oui, c'est vrai que violet sur violet, ouais,
Un peu pas trop lisible. Après on s'y fait, hein. Seulement de ça. En vrai, si tu regardes sur le... Ça dépend ce que tu fais aussi après. Type, moi je suis sous DWM, tu vois, et qu'il n'y a pas des masses de paquets, et ça doit faire 6 jours que j'ai pas eu de mise à jour, tu vois. Ah oui, après moi pour le coup là je vais poster juste le replay. Parce que faire du montage là-dessus c'est pas... C'est sûr que ça serait plus intéressant mais j'ai pas trop le... Enfin j'ai pas trop le temps. Ça demande pas mal de temps. Après à voir si, si je le ferai par la suite. Hein. Ça reste tout à fait éditable dans le futur. Je pense dans l'immédiat, non non ça sera les rushs en direct. À voir après. J'avais pas vu ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'il est fesses par défaut et quand même opti pour le pro, c'est comme Gentoo du coup. C'est cool. Oui, après, je veux pas faire une review complète du livre, tu vois. C'est vrai que ça serait faisable. Après moi là c'était juste une run un week-end pour m'amuser. C'est pas une vidéo dédiée dessus tu vois. Mais je suis totalement d'accord avec toi qu'effectivement ça serait une vraie série entre guillemets de vidéos dessus. Ça serait extrêmement intéressant. Peut-être par la suite je verrai si j'ai le temps un jour de le faire, y a pas de souci. Après là c'est vraiment plus pour titiller l'esprit du curieux tu vois. Comme j'ai dit dans ma vidéo, si t'es sous Arch ou
même sous Gen 2 ou un autre truc qui est similaire en termes d'avancement. Ça permet peut-être d'attirer la curiosité sur ce genre de projet. Oui, je crois qu'il y a pas beaucoup de gens qui ont fait ça sur YouTube, effectivement, enfin qui ont juste fait une vidéo dessus. Mais après, ça c'était un peu l'objectif de ma chaîne. À la base, c'était de faire un truc un peu plus technique que ce que propose le paysage actuel. S'il n'y a pas forcément ça en France. Après les fesses, là on est sur un truc vachement de niche hein, quand même. Parce que Gen 2 déjà que c'est limité. Bah, après en France on a Adrien donc c'est vrai que ça aide aussi. Je pense que là, en parlant, en traitant ce genre de contenu, tu vises quand même une minorité de minorités hein, pour le coup. Et moi, c'est ce que j'aime, donc ça me va.
Ouais, ça se rapproche, ouais. Ah, je te jure, il me fait peur ce menu config du noyau là. Je sens que ça va carner de panique à... de tous les côtés. Comme j'ai dit, je vais essayer de passer du temps sur la config. On va essayer de faire ça propre. Et si au pire ça marche pas, on peut toujours sh-root. Depuis un live CD après, pour essayer de refaire une petite config. Bah la dernière fois que j'avais testé, il me semble bien. Il me semble bien que j'y étais arrivé du premier coup, je crois avoir un truc qui boot. Oui, c'est ça, ouais, c'est 2 millions d'heures pour 3 vues. Après, moi, les vues, je m'en fiche, hein, du moment que ça me plaît, que je suis fier de ce que je fais, ça me va. Mais après, effectivement, c'est vrai que c'est du boulot pour fournir ce genre de documents, enfin de vision sur le projet, quoi. Si, si. Le clic molette fait la même chose que Ctrl Shift V, mais je suis tellement habitué au Ctrl Shift V, c'est plus rapide pour moi qu'un clic molette. Je suis arrivé à ce point. Ouais. Sortir trop tout du machin. Ouais, c'est ça, une fois qu'on est habitué à des raccourcis. Là, je crois que la première partie s'est fait strike sur, sur YouTube. Je vais voir ça, ça a l'air marrant. Réclamation. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Impact sur la chaîne sans conséquence. Monétisation inéligible. Mais ça va, c'est juste la monétisation qui saute, je m'en cogne parce qu'il y en a pas. Ouais, strike, alors que j'ai pris des plaisirs.
va essayer de changer de registre. On va rester dans les trucs un peu plus dynamiques. Bah check, il met longtemps pour se checker là. Hein. Je sais pas trop ce qui se passe mais. Je vois que vous êtes nombreux sur le chat, c'est cool. Pas mal de monde. Est-ce qu'on se mettrait pas de type de musique classique pour être dans le mood? No copyright bien sûr. L'épique orchestrale précisément.
Bon, je vais aller me chercher une glace parce que là il fait vraiment trop chaud. Ah mais merde, c'est pas... Ah si, j'allais dire c'est pas les tests qu'on a fait. J'ai eu peur. En fait c'est chiant cette playlist. Bah, je pense qu'il doit nous rester peut-être une dizaine de paquets, un truc du genre. Ouais d'accord, il y a 30 degrés dehors, ok lourd.
Oh, grub. Juste après, ça va pas rigoler longtemps. Bon alors ça, si ma mémoire est bonne. Mais non. C'est ce qui me semblait, BLFS prend en charge du coup. Enfin, ils expliquent Grub avec l'UFI. On va se rapprocher de la fin là.
L'étape la plus dure, hein, bien sûr. Enfin, c'est pas qu'elle est dure, c'est juste que tu. On va sûrement oublier un truc, donc. On va avoir système D aussi à un moment là. Système D, mon grand amoureux, bien sûr. Oh, qui a défollow la chaîne? J'ai vu, on est passé de 135 à 134, c'est quoi ça? Qui se désabonne? Mais ils expliquent dans BLFS comment installer Flatpak. Ce que je me disais, il me semble pas avoir vu. Quel homme. Ouais, après toi, si t'as une conf. Un peu légère, c'est vrai que ça prend du sens. Regardez si c'est pas beau là, on make le make. Incroyable. Si si tard, on a tard et le tard tout à l'heure. Ouais.
Ah non, retard le tard après, t'avais raison. Me semblait qu'on le faisait plusieurs fois, mais je croyais qu'il était au début de... du chapitre 8. Mais là, tu vois, sur une LFS, ça vaut le coup de faire un NeoFetch custom là par contre.
Bon, c'est pas grave, celui-là on va le passer aussi. Si je fais des tests de compression. On va arriver à votre éditeur favori qui est Vim, bien sûr. Ginge, ok, c'est cette affaire. Hein.
système D, notre grand ami. On peut voir que Ninja s'envoie le pâté quand même pour compiler.
fr.utf8. On va le faire, ouais, ça peut servir. Ah toi, t'as dû créer un conflit avec la 3 et la 1 du coup. Ah là, ça a pas trop rigolé. Ça peut être trop mal comme ça. Messieurs, dames, c'est l'heure du noyau. On va faire un make dev config d'abord. Normalement, ça marche pas trop mal ça. Écran qui me fait si peur.
auditing support. Il est où lui déjà? Enable carnet d'aideurs. Okay. Contrôle groupe. Memory contrôle. Ok. Enable, depreciated, machin truc. Ok. Configure standard kernel. Il est où le IPv6? Ok, il est là. C'est une 1000, je crois qu'on a sur la VM. Je crois qu'il y a un driver à activer. Ah oui, mais c'est peut-être mon device driver. BLFS, je sais pas, je pense pas. Ça risque d'être un peu trop long. Ce genre, je ferai une vidéo dessus à la fin. Mais je pense pas faire un stream dessus, non. Un driver. Ok.
Ouais, pulse audio, ouais. Frame buffer aussi, t'avais dit ça, fallait le mettre. Je ne sais plus, je sais plus où c'est le. Les cartes réseau. Parce qu'en fait, je crois qu'il y a un truc pour activer cette Intel 1000 là. Ouais, elle est là la promille. En fait c'était déjà coché, je pense qu'il a dû les détecter. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Graphique support frame de force device. Je l'avais coché du coup. Un prime buffer. Système là. Je pense qu'on est pas trop mal là. Partir. En fait, si ton noyau était compilé avec le M sur le menu config, normalement tu peux le mode probe. Mais par contre, si tu l'as pas M sur le menu config, là tu es obligé de le recompiler. Ouais.
Bah là ouais je pense, si tu l'as pas activé. Ça a été rapide. En même temps, noyau optimisé. Oui, après, oui, si t'as déjà ta config qui marche, c'est mieux. On peut voir qu'on a un noyau turbo, giga, méga épuré. Ouais. Moi je stresse un peu, là. Je sens que ça va. Ça va mal se passer. Ça normalement c'est ok, on n'a pas besoin de charger les noyaux dans un ordre précis. Bon, après les fesses là c'est un autre niveau. T'installes une Ubuntu en général, il y a peu de chances que ça marche pas. On va pas faire ça. Bon, normalement on peut grubben qu'à config hein, avec ça, je sais pas pourquoi il passe par ça. Oui, c'est sûr. Je pense qu'on va laisser des trucs de base pour l'instant. Donc on modifiera après. Là, c'est vraiment la hype du premier redémarrage, tu sais. Là, c'est la quintessence au bout de 7 heures de stream, un truc du genre. En moins de 4 heures. Après, j'ai voulu jouer avec les tests et tout. Mais évidemment, il y a bout sur le truc. Ah.
Y a un truc qui s'est pas passé comme prévu, je crois. Unknown file system. J'ai oublié un truc pour. Ah, non, je sais pourquoi. J'étais trop débile. Je crois que dans le. Oh, on aurait du grub MK config en fait. Je sais pas pourquoi on a regardé leur fichier à eux. Parce que je crois qu'ils parlent de XT4 à un moment. Ils disent que la route. Le route est sur SDA2 alors que le SDA2 c'est le swap. On aurait dû mieux. Ah oui, XT2, ouais. Bon, on va essayer de CH route et de changer ça. Voir si on peut. Si c'est ça, on s'en sort bien. Si c'est pas ça, c'est la merde. En SSH, hein, c'est quand même 100 fois plus pratique. Donc il a gardé la même IP là-bas. Hop là. Je vais essayer de voir si on peut le faire comme ça. Est-ce qu'on a un anneau là-dessus? Ouais. Ah, je fais vraiment à la gitane. Essayer juste en changeant ça parce que le XT2 s'il est là à mon avis c'est qu'il y a une raison. Sinon on changera. Yes. Quoi qu'attendez, c'est peut-être 3 du coup pour la troisième partition. On fait des tests, on verra. Si c'est ok. C'est beau, j'ai l'impression qu'on n'a pas de kernel panique. On a le truc qui est en sueur là. Après, il est en train d'initialiser le bazar, alors peut-être ça prend un petit peu de temps.
Ok. Le truc c'est qu'on n'a même pas de détails sur qu'est-ce qui se trame. Peut-être un problème de... On va essayer un truc. Je sais qu'il y a souvent des problèmes avec cette carte là. On va essayer avec la carte vidéo VBox. VBox VGA. On va essayer comme ça. Après, est-ce que je ping le truc? C'est peut-être juste l'affichage qui merde. Ouais, ça ping. Ça ping donc, le truc est bien démarré, mais il y a un problème d'affichage après. Dommage qu'on peut pas essayer ça. À mon avis, ça doit être un problème avec la carte graphique de VBox. C'est le glitch sévère là-bas. Bon, on va essayer de re-CH route à l'intérieur et de changer 2-3 options si on peut. Parce que là après c'est des trucs VMware qu'on a utilisé, donc est-ce que il sait pas. Il y a eu un truc. Non. On va retester. Après, c'est pas tant un échec que ça. Hein. Pour le coup, on n'a pas de kernel panique. Donc, plutôt rassuré. C'est-à-dire que le système arrive à se lancer quand même derrière. Donc. Surtout que ma conf du réseau est bonne. C'est moins pire.
Ouyo. Je vais essayer de rechercher un truc. VBox kernel conf. On va aller voir sur Gentoo, il doit bien y avoir un petit article là-dessus quand même. Évidemment, il y a un mariage. J'ai la fenêtre du ronde ouverte, je me mute le temps de.
Virtaio, c'est où ça déjà? On avait oublié quelques trucs quand même, hein. Graphique support. Ok, je trouve pas ça. Pas grave. DRM driver. Ou simple frame buffer support. Oui, dedans. Console display driver supporté, où ça? Après Alzon, on l'a pas d'activé donc on s'en cogne. USB support. Normalement, on est good. Ah, t'as trouvé ton problème du coup? J'avais pas vu les messages, j'étais focalisé sur ce truc. C'est quand même un noyau turbo léger, hein, quand même. Hein. C'est ouf. On overwrites.
Donc, je crois qu'on va les supprimer quand même, histoire d'être sûr. Correctement. Ça, on l'a déjà fait. Comme ça, c'est automatique et on verra si ça marche. Hop. Et là, normalement, on peut reboot et c'est le moment de vérité, bien sûr. Let's go! Putain. Je suis content, ça marche. Ah. Et on a même internet, regardez ça si c'est pas beau. Bon, on est pas trop mal hein, au final, au bout de 7h30. Je suis plutôt content, je m'attendais à vraiment à carnel panique. Un carnel panique dès le début. Mais au final, on s'est juste pas assez renseigné sur la doc de V-Box. Mais ça, c'est propre à V-Box pour le coup. En tout cas, ça me rassure pour le passer en production, le bazar. C'est plutôt cool à voir comment ça évolue après, par la suite. Hein. Je tiendrai informé. Bon, en tout cas, je pense qu'on va arrêter le live ici. Parce que 7h30 de live dans les Geekballs, ça fait quand même pas mal. Vous aurez de toute façon les rediffusions sur YouTube. La première a déjà en cours de traitement. Je crois même qu'elle a terminé pour le coup. J'ai déjà envoyé le lien sur GLF hein, par rapport à ça. Le lien de la vidéo sur Twitch, mais en tout cas vous aurez du coup toutes les rediffusions des 7h30 découpées en deux parties sur ma chaîne. Donc voilà, je sais que ça va être assez indigeste à regarder, mais c'est surtout pour vous donner une idée de trois passages intéressants, notamment la config du noyau hein, qui est assez, assez cool à voir. Donc voilà, merci de m'avoir suivi aujourd'hui, hein, à tous ceux qui étaient présents dans le chat. On a pu échanger, c'était cool. Et puis on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Et puis au plaisir de nous voir sur Discord. Ciao les gars et merci encore.